Salut, c'est encore moi, Stéphane Vermette, encore une fois pour la campagne de financement de l'Église Sainte-Claire. Au moment où je vous parle, je ne sais pas qui a donné et combien nous avons récolté dans notre campagne de financement. Je recevrai un rapport global beaucoup plus tard. Mais aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une question que peut-être certains se demandent. Est-ce qu'on doit absolument donner de l'argent pour venir à notre Église? Et la réponse est absolument non. Tous et toutes sont les bienvenus, sont accueillis, peu importe l'orientation, le genre, le statut économique, les origines, tout le monde peut venir. Alors, pourquoi devrait-on payer? Et c'est une excellente question parce que nous vivons dans un monde, dans une culture où on a l'impression que tout est gratuit sur Internet. On va sur Google, on cherche quelque chose, on trouve le site, on trouve notre information, ça ne nous a pas coûté un sou. C'est ce qu'on pense, mais c'est loin d'être le cas. Les GAFA de notre monde engrangent des milliards en monétisant les données que ces compagnies recueillent par l'utilisation de leurs services. Il y a une expression en anglais qui décrit bien ce phénomène. Ça dit « If it's free, you're the product. » Si vous ne payez pas, vous êtes le produit qu'on vend aux autres. Peut-être pas vous personnellement, mais vos informations. À l'Église Sainte-Claire, c'est sûr qu'on ne peut pas faire ça, on ne veut pas faire ça c'est évident. Notre but, notre mission, c'est d'apporter un message d'espoir dans notre monde. Mais quand même, la réalité, c'est que nous sommes en compétition avec d'autres groupes, d'autres églises, qui investissent de très gros montants pour établir leur présence sur Internet et sur les médias sociaux. Et la question qu'on doit se poser, c'est pas est-ce qu'on doit y être ou pas y être. La question qu'on doit se poser, à mon avis, c'est est-ce qu'on veut laisser ces groupes plus conservateurs, plus traditionnalistes, plus à droite, occuper toute la place, définir ce que c'est le christianisme au 21e siècle pour des millions qui vont sur Internet et les médias sociaux. Ou est-ce qu'on veut qu'il y ait une voix qui apporte un message plus positif, plus moderne et plus inclusif? Est-ce qu'on veut qu'il y a une voix qui offre ce genre de message-là à des gens qui sont en recherche d'un niveau spirituel et au niveau de la foi? Et c'est ça que votre don à l'Église Sainte-Claire sert. En donnant à l'Église Sainte-Claire, vous investissez dans la possibilité pour d'autres personnes de découvrir notre existence. Votre don à l'Église Sainte-Claire, c'est un investissement pour maintenir un espace sécuritaire où les gens peuvent poser des questions difficiles et discuter honnêtement, encore une fois, de foi, de religion, de spiritualité. Un don à l'Église Sainte-Claire, c'est un investissement dans une Église qui ne juge pas les gens et qui ne dit pas aux gens comment penser et agir. On a besoin de votre support financier pour continuer. Tous les liens sont en haut ou en bas de cette capsule. Soyez généreux. Merci beaucoup.